Education, global health, and policy communication to give her remarks. Ms. Seema Kumar, you are welcome. Good morning, Your Excellencies, distinguished guests and colleagues. Last year, when the Next Einstein Forum embarked on a new experiment with Africa Science Week, we had no idea how it would be received. Well, the event was an enormous success, with 13 host countries across the continent participating. This year, the number of participating countries has more than doubled, and now nearly two-thirds of the African continent takes part in this innovative program. So why is Science Week so important? At its core, Science Week inspires Africa's next generation into scientific fields. It generates curiosity, promotes learning, and creates appreciation for the value of science to society. Well, words cannot describe the magic that we saw happen when Science Week launched. So rather than describe it in words, we want to share this magic with you by video. The video highlights the events of the 2017 Science Week and the tremendous enthusiasm among all the participants. As you watch, you will see how inclusive Science Week really is, how it involves thousands of people, regardless of age, gender, economic status, education, or skill level, how it reaches out to both the urban and the rural communities, recognizing that true potential is not dictated by geography or nationality, but by heart, by drive, and by resilience. And these are qualities that are not restricted to any map or contained by any boundaries. Science Week also provides a window into the scientific potential of Africa and rekindles the image of Africa as a cradle of science and humanity. It exemplifies how rewarding science can be on an individual as well as a community and global basis. It shows that with the right motivation, opportunities, organizations like Next Einstein Forum and initiatives like Science Week can create a new movement of science for everybody and for all. So when I first previewed this video, I was moved, so moved and inspired by the images of hope and inspiration, images of women and young girls being engaged in the seeing the pure joy on their faces as they looked at the awe and the wonder of science. So the images that you're about to see should fill all of us who are involved with NEF and Science Week with pride. And I would invite you to sit back, get comfortable, and enjoy this lively and inspirational look at what Science Week has done. Thank you. The Next Einstein Forum is a global platform that actually puts Africa on the science and innovation stage. Since we are taking part in this African Week of Science, it will make us know what science is really and how we can impact the world using science. On doit se débrouiller pour mieux connaître notre population, pour développer de nouvelles solutions ou adapter les solutions qui existent en ayant une meilleure connaissance de notre environnement. I created an app called Talk to Me app. This is an app where when your child is left lonely and the child is struggling to have any friends, it can make the child feel as if the child is actually dating someone. So that the child can feel lonely until you get back from where you were. Quand je viens à Babila, on m'apprend à faire plein de choses. On m'apprend à monter un robot, à créer des applications sur les téléphones, à créer des sites web. On a créé une application HTML, mais qui n'est pas encore en ligne.
kwa sababu unaweza kutengeneza vitu, kuwasaidia watu kufanya vitu. Today we celebrate and imagine that there could be another Einstein. Africa. Science. We. Thank you, Ms. Sima. Truly inspiring. It is now my honor to invite His Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, to address this plenary. Monsieur le Président, à vous l'honneur. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, chers frères et chers amis, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Next Einstein Forum, Mesdames, Messieurs, en vos différents rangs, grades et qualités, chers étudiants, chères étudiantes, cher Paul, je reviens à Kigali à ta demande. Juste après ma participation le 21 mars au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous savez, en plus de nos excellentes relations, le président Kagame assure actuellement la présidence en exercice de l'Union africaine. Donc, je dois répondre, Paul, à ton invitation. C'est comme une convocation. Je peux sans doute dire que je suis maintenant un habitué du beau pays des mille collines. C'est déjà une bonne raison d'être ici. Et il y a aussi la bonne cause qui nous réunit ce matin, celle du Next Einstein Forum. Une cause qui nous est tous très chère. Et je voudrais remercier le président Paul Kagame pour l'excellent accueil, toujours convivial et fraternel. It's always good to be in Kigali. Il y a 2 ans, nous avions tenu à Dakar la première édition du NEF sous le thème « Science et humanité, rétablir les liens ». Dans la déclaration de Dakar, nous avions réaffirmé notre détermination à faire de la science et de la technologie les leviers du développement économique et humain en Afrique. Cela relève du bon sens parce qu'il ne peut y avoir de développement autrement sans le soutien de la science et de la technologie. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement d'augmenter les investissements consacrés à la science et à la technologie en vue d'atteindre 0,7% du PIB d'ici 2020 et 1% du PIB d'ici 2025. Le thème de la présente édition va dans la même direction. Nous voulons poser les bases d'économies fondées sur la connaissance et conforter par là les paradigmes de nos politiques de développement en les arrimant davantage aux multiples applications de la science et de la technologie. C'est pourquoi le NEF doit garder toute sa vitalité et sa dynamique de catalyseur des progrès scientifiques et techniques sur le continent africain. De l'infiniment petit à l'infiniment grand,
tout obéit aujourd'hui plus que jamais à la rigueur et aux opportunités que la science et la technologie nous proposent. Monsieur le Président du Next Einstein Forum, je vous félicite et vous encourage, ainsi que les membres de votre équipe et le comité d'organisation pour le temps et les efforts que vous consacrez à cette belle initiative. You have our full support. Let us all move this initiative forward. Je félicite également les lauréats du Next Einstein Forum et leur souhaite une brillante carrière dans la recherche et l'innovation. Si j'ai refait le chemin de Kigali pour être aux côtés de mon frère Paul et ensemble avec lui, être à vos côtés, c'est pour apporter notre soutien commun afin que la dynamique du New Einstein Forum créé à Dakar et poursuivi ici à Kigali, reste au cœur de l'agenda continental. L'enjeu, c'est de nous donner les moyens de maintenir le rythme du progrès afin de rester au contact de l'économie du savoir pour ne pas courir le risque de marginalisation. Si l'Afrique est en retard sur la révolution industrielle, elle doit s'arrimer fermement à celle du numérique. Elle en a la capacité. Et nos jeunes en ont le talent et l'intelligence, et le film vient de nous le prouver. Nous sommes dans un nouveau cycle de l'histoire de la science et de la technologie. C'est un jugement en friche, dont bien des outils sont à la portée des Africains. J'en veux pour preuve l'innovation du transfert d'argent par téléphone, né sur le continent et qui fait son chemin ailleurs. C'est dire qu'au-delà du gap numérique entre le Nord et le Sud, l'Afrique peut emprunter des raccourcis en faisant appel au génie créateur de sa jeunesse grâce aux innovations technologiques, notamment celle du numérique. Nous devons passer de la parole aux actes. Nous devons mobiliser tous les leviers pour l'éclosion des talents de notre jeunesse. Je pense au cloud computing, au big data, à Internet des objets et à l'intelligence artificielle. Il y a tout un écosystème du numérique qui bourgeonne et dont nos jeunes sauront faire des fleurs qui porteront les fruits de l'avenir. C'est dans ce nouvel élan que le Sénégal a mis en place en janvier 2014 l'université virtuelle du Sénégal. Université virtuelle qui compte cette année 20 000 étudiants, avec une vingtaine d'espaces numériques ouverts à partir de cette année qui seront réceptionnés, mais au total nous avons 50 espaces numériques ouverts qui sont des espaces où les jeunes pourront suivre les cours mais également l'ensemble des procédés pédagogiques qui leur permettent à partir de leur espace numérique ouvert de suivre les cours et aujourd'hui ils sont 20 000 étudiants. Nous mettons aussi en place un parc de technologies numériques pour encadrer la promotion de l'innovation et du développement des services numériques. Avec l'acquisition d'un supercalculateur de 537 teraflops, nous initierons dès cette année 2018 des licences, master et doctorat en intelligence artificielle, big data, cybersécurité, robotique, simulation numérique, calcul scientifique et modélisation génétique moléculaire. De même, j'ai lancé le 15 mars dernier le premier forum annuel du numérique
dédié aux jeunes, doté d'un grand prix du chef de l'État pour encourager l'innovation numérique avec un premier prix de 440 000 $, suivi d'un second prix de 20 000 $ et d'un troisième de 10 000 $. En outre, nous financerons à hauteur de 2 millions $ les projets du numérique dans leur volet application. Mesdames et messieurs, toute cette nouvelle dynamique ne peut éclore s'il n'y a pas de terreau fertile à la base. C'est-à-dire, c'est dès le jeune âge qu'il faut susciter le goût et l'aptitude à la science. Il faut susciter les vocations. C'est pourquoi nous avons aussi renforcé le quantum horaire dédié à l'enseignement des sciences dans nos lycées et collèges. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025, nous prévoyons la formation de 3 000 personnes par an qualifiées dans les métiers liés à l'externalisation ou la sous-traitance, l'octroi de 300 bourses d'études par an dans le domaine du numérique et la formation de 1 000 personnes par an à l'entrepreneuriat numérique. Mais même après toutes ces actions, je suis conscient qu'il restera encore bien d'autres à mener, parce que la science est par définition évolutive. Nos certitudes d'aujourd'hui sont nos doutes de demain. Je termine en partageant avec vous une conviction très forte. L'Afrique ne doit pas se contenter du discours lénifiant, faisant d'elle le continent de l'avenir. Non, nous devons être plus exigeants sur nous-mêmes. Nous devons travailler à être les acteurs qui transforment le présent pour façonner le futur. L'économie du savoir nous en offre la chance. C'est à nous de la saisir. C'est à nous de prendre direction, de nous inscrire dans le sens de l'histoire. Pas seulement par la parole, mais surtout par les actes. C'est ce qui compte le plus. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous, jeunes de notre continent, avec le Next Einstein Forum. We are here to deliver. So let's carry on. I thank you. Merci, Monsieur le Président, pour votre allocution. Now comes the moment we have been waiting for, the presidential panel that is going to discuss on policy and practice for laying the ground for knowledge-led economies. I am happy to introduce the moderator of the panel, Mr. Didier Akwete, founder and president of Africa Search Group. Mr. Didier Akwete, you are welcome. Thank you. I think this is the way we should do it. We're talking about IT innovation. We could keep running. So Your Excellencies, when I'll call you, you better run on stage to show you're still young and innovative. Good morning, everyone. I'm delighted to be here. 2 years back, we had a great session in Senegal with the same head of state, and I think we had some fun. Thierry, isn't it? And I hope we're going to have the same fun this year in Kigali, this vibrant city that we love so much. And as President Kagame, President Macky Sall mentioned it, we love to be here. We feel home in Rwanda. Thank you, President Kagame. We
We're going to have a really serious discussion about how do we transform the continent from, let's say, the old economy to the new or the next economy. And this is crucial if you want to provide jobs to our youth and make sure we become the first continent, not the last one, because we used to be the first. And we can be back on track and be the first. So we have a couple of challenges to address, and since yesterday we've been discussing some of those challenges and issues. And we love to hear about our head of state, how they think we should be pushing it faster and with a lot of innovation. I'll call the panelists of this presidential debate, number five. I'll start with the man who started everything, I think so, Thierry Zoumaou. Please welcome Thierry Zoumaou on stage. Thank you. I'll call Minister Kubayi Ngubane of Science and Technology, South Africa. Welcome, Minister. I'll call Minister Therese Abouer, Minister of Science, Research and Art of the State of Baden-Württemberg, Germany. And last but not least, our twin brothers, President Macky Sall and President Kagame, the brothers of innovation and science. Please come on stage. Thank you. So, here we are. Monsieur le Président Macky Sall, vous êtes l'hôte de ce sommet que vous aviez abrité il y a 2 ans. Et si vous vous souvenez, lors de cette session, vous deviez faire un selfie avec le président Kagame sur scène. Mais vous n'aviez pas votre téléphone. Est-ce que vous avez votre téléphone cette année, Monsieur le Président ? Il est là. Il n'est pas loin. Monsieur le Président, nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt et vous indiquiez justement toutes les réformes, tout ce que vous mettiez en place pour transformer le Sénégal et aller vers cette économie du savoir. J'ai regardé un peu le PIB, la structure du PIB du Sénégal et j'ai constaté qu'à peu près 5% du PIB provenait de tout ce qui est télécommunications, système d'information, ce qui est déjà très encourageant. Et vous mettez en place cette cité du savoir qui va être normalement marquée une évolution majeure dans la vie du Sénégal. Alors comment vous avez pu convaincre d'abord votre gouvernement de mettre en place ces mesures qui visent à transformer le Sénégal et en termes de leadership, comment vous y êtes pris? Ça nous intéresse de savoir. Je vous remercie. D'abord, il faut dire que dans le cadre de la vision dite plan Sénégal émergent que j'ai lancé en 2014, j'ai essayé, sur la base d'un diagnostic assez approfondi de l'économie sénégalaise et de la société sénégalaise, lancer une perspective sur un horizon de 20 ans qui va donc transcender ma présence à la tête de l'État. Et dans cet horizon et cette vision, il y a, disons, 3 fondamentaux qui sont, le changement structurel de l'économie, la transformation structurelle de l'économie. Là-dessus, nous pourrons discuter longuement. Mais le deuxième aspect qui est un pilier fondamental également, c'est le capital humain. Capital humain, développement durable et inclusion. Et dans ce deuxième axe, donc, nous aurons tout ce qui concerne l'éducation, la formation, avec bien entendu les nouveaux paradigmes de l'enseignement technique, la formation professionnelle, mais aussi tout ce qui est STEMS, donc enseignement des mathématiques et de la technologie. Et un troisième pilier de cette vision qui était la bonne gouvernance, l'état de droit, la paix et la sécurité. Alors, nous avons démarré par des concertations pour voir un peu l'état des lieux
concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Pendant plusieurs jours, les enseignants du supérieur, les étudiants, les parents d'élèves, l'État et les partenaires publics-privés ont pu faire un diagnostic sur d'abord la situation de l'enseignement supérieur qui a corroboré la baisse des niveaux par rapport à ce qu'il devrait être, l'absence d'infrastructures, l'absence de laboratoires scientifiques. Et sur la base de toutes ces recommandations, j'ai mis en place un conseil présidentiel qui a validé tout cela autour de 11 directives majeures pour l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation. Alors, et depuis 2015, nous avons mis en place ce programme avec aussi une nouvelle carte universitaire qui a permis non seulement de consolider les 5 premières universités qui existaient dans le pays en les modernisant, en les équipant, en les mettant à niveau, mais aussi de lancer un nouveau programme de 2 universités nouvelles. Et surtout, une innovation majeure, c'est la création d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, qui sont un peu des instituts qui forment sur Bac plus 2, mais avec une forte orientation professionnelle, scientifique et technologique. Et donc, ce maillage et cette nouvelle carte universitaire va nous permettre, avec bien sûr le renforcement des moyens, le recrutement d'enseignants-chercheurs, donc de donner plus de capacités pour accueillir plus d'étudiants, mais surtout de travailler dans un nouvel environnement scientifique à même de motiver les étudiants, les jeunes, dans les nouvelles orientations. Cela se traduit par des programmes comme « Un étudiant, un ordinateur », où l'État remet l'ordinateur à chaque étudiant. Et il y a la modernisation des laboratoires, ainsi que tout un vaste programme lié à des réformes des universités. La réforme sur la gouvernance des universités, au départ, ça a été un peu dur, mais finalement, tout le monde s'est accordé pour dire que l'université devrait s'ouvrir à la société. Et nous avons donc changé le mode de gouvernance en créant un conseil d'administration qui inclut le monde socio-économique maintenant dans le management de l'université, tout en laissant aux universitaires, bien entendu, les questions pédagogiques, les questions donc liées à l'académie. Et nous avons aussi eu l'engagement de diversifier l'offre de formation, puisque je pense que pour qu'il y ait cet environnement, il faut non seulement le cadre réglementaire, je l'ai dit tantôt, les concertations, les directives, les réformes, la réforme LMD sur les titres et les grades, la réforme du statut des chercheurs, ça c'est le cadre qui doit permettre d'avoir un écosystème favorable. Ensuite, il faut des capacités, donc les infrastructures, les incubateurs, comme nous avons aussi AIMS à Mbour, n'est-ce pas, dans le cadre de ces incubations de jeunes mathématiciens, et nous avons développé un certain nombre de réseaux d'instituts supérieurs, d'universités. Maintenant, il faut régler la question qui va suivre, c'est la question majeure du financement. Comment financer tout cela en Afrique? Alors, jusque-là, c'était l'État, et nous savons que les moyens des États sont quand même des moyens limités. Et nous avons non seulement fait l'effort par nous-mêmes de financer sur 5 ans plus de 830 millions de dollars destinés uniquement au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 830 000 dollars dont les 42,5% sur financement direct public. Le reste, bien sûr, avec nos partenaires divers, la Banque mondiale, l'AFD, ainsi que d'autres partenaires qui ont pu venir avec l'État du Sénégal en vue de cette modernisation. Et si vous voyez l'effort qui a été fourni en 5 ans, il fait 2,5 fois les efforts consacrés depuis 52 ans, donc depuis l'indépendance du Sénégal, jusqu'en 2012. Nous avons en 5 ans multiplié par 2,5% les investissements sur l'infrastructure, sur l'équipement dans les universités et l'enseignement supérieur. Nous pensons donc que cette transformation avec un statut révisé, une volonté politique affirmée et une prise de conscience de la jeunesse
sur le fait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que l'Afrique ne doit pas être en reste si on a raté le train de la révolution industrielle pour la révolution numérique. C'est une question de connaissance. Qu'on soit sous-développé, pauvre, fils de rouge, fils de président ou fils de chauffeur, il suffit de s'y mettre et de pouvoir s'en sortir. Donc l'Afrique n'a pas de complexe normalement et de retard à rattraper dans le domaine du numérique, pourvu, bien entendu, que ces conditions minimales soient assurées. Et je suis certain que le next Einstein pourrait venir de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. President Kagame, I remember in Dakar, I was like, I'm surprised. He keeps tweeting. He's like a geek. Old generation and a young body or a young spirit. And I noticed that he have tweeted almost 19,000 times when I went on Twitter. It's just impressive. How do you do that? Well, I'm getting younger, not older. That's what I assumed. It's just amazing when you come into this country. In 20 years, you managed to make the turnaround from 4 billion GDP in 2008 to almost 10 billion next year. It's just amazing. ICT, investment coming in, Zipline visited VizLab. I mean, it means you've achieved a lot in 20 years. Can you explain a little bit what we call le miracle rwandais, even though I don't like that much, but let's put it this way, le miracle rwandais. How can you explain that to us, Mr. President? Well, let me start by saying that you give me a bit of time. First, I say that scientists here in the room will agree with me that science is a very serious business. But for serious business, you need light moments as well. So that's why when the moderator instructed us to come running up the stage to prove that we are still young and innovative, I preferred to tell him that it has more to do with innovation than age. And that here in Rwanda, young age is very important to begin with, but things get better here with age, just like wine. But on a serious note, let me say, first of all, I really wanted to highlight the fact that here in Kigali, in 1 week, we have had two very important things. One was what President Macky Sall mentioned, for which he and the other heads of state of Africa were here. That is the Continental Free Trade Area. The second, in the same week, for which President Macky Sall, we have the pleasure of receiving him today, he's here for this conference, the next Einstein Forum, which speaks therefore to science, engineering, and mathematics that are very central to getting all other things right in the development of our continent. So I think these two events have been extremely important, and again, I wish to thank President Macky Sall, a friend and a brother, as he said, very true, for taking the time to be back here with us. And of course, there has a history. We started the NEF in Dakar, and I was there. I had to join the president on his invitation.
So he's accompanying it, he's accompanying us even on this one, and we will have the two of us again accompany all of us to the next stage, which, by the way, I want to gladly say, next NEF will be in Kenya. Kenya has agreed to host Kenya, the president of Kenya, have agreed to host the next Einstein Forum. So let me go to the serious business which you have asked. What we have done here is not any different from what has happened in many other places, many countries, be it on our continent of Africa, and more so and better in other parts of the world who are ahead of us. First, it has to do with the people, it has to do with the investments you make in people and with people to make sure that education, that is really the backbone of all the things we are talking about. When you have people, young people, and growing, being educated, that is very important. So we, for us in Rwanda, where we started from was a very low base on everything. We had a shattered economy, we had a completely destroyed country, infrastructure, and, you know, lost millions of lives, and so it was a very depressing situation. But we had to pick the pieces and try to reorganize and build the schools and bring security back to the country and administration and start building institutions that would help us see what happens in a normal life start to take shape. But in doing that, there are certain priorities you want to focus on. Once you have established security and people are getting something to feed them and have strength and energy to do other things, we started building institutions of education, of health, and making sure that people are able to do work and find jobs, and farmers grow food and country and so on. That's how we managed to come from the low point at which we were from the beginning. So with education, therefore, we said education is important in as far as it benefits everyone in the country. So we start from the young people and say we're from primary school, education is every young person, a child of our country, getting an education. That one we had to start building the capacities to enable that to happen. Is everyone getting health and care around that? We started building that. And but education per se is good, but you need now to start not only building access for everyone, but also the quality of it is very important. And you start training people to make sure that they fit in the job market. But of course, what we are seeing even today, as we may notice across the continent, we probably have some kind of imbalance. Many imbalances. One was to make sure that as we want everybody to be educated, we don't leave behind women.
That is very key because our women here in Rwanda or elsewhere have been left behind in many instances. So we had to make sure that we don't leave them behind. The other type of imbalance was as we made good progress, we found that some people we have over-educated some people in some areas and under-educated others in other areas. So in other words, there wasn't balance on the job market to make sure that actually the kind of training and education that has taken place fits very well with what the market requirements are. So that is the challenge that we have to address, and I know many African countries still face that. So we saw that, so it wasn't, for example, I'll quickly give you this that happened. When we started in around the year 2000, talking about investing in information and communication technologies, some people were saying and thought we were joking or we really didn't have a sense of what needed to be done. And they were saying, how do you start talking about investing in ICTs when people have no food, when people have no general education or hospitals and so on and so forth? And the answer to that for us was, one, Rwanda at that time did not have the luxury of being able to choose priorities and go, everything was a priority. Second, we are saying we are not being made to choose. It's not either or. We are saying ICT actually relates to every priority we are thinking about. ICT relates to education, which is very important, which was a priority. It relates to health. It relates to, you know, the jobs people are doing wherever they are doing that. So we are saying we are not prioritizing ICT and leaving others behind. We are trying to create a balance and also share the even limited resources we had and see how we make progress. And I think over time we have been vindicated that progress has been made on these broad fronts that were important to us. But key to the answering your point, other than identifying these priorities we had to deal with, even with a lot of challenges because we had to tackle all of them at the same time, we were always keeping people, our citizens, at the center of everything. Every time we made investments, we were thinking about how many and how are our people benefiting from this and how are they participating so that actually they bring in their energy as well and whatever inputs they can make. And we insisted on that. And we found that progress was being made, and one success here was contributing to another success somewhere else, and we kept going. So for me, therefore, I would, on this point, finally say we enjoyed paying serious attention to the many challenges we had, but we also found fun around it and made sure that we are not completely overwhelmed by the challenges we had and the tragedy we had had before. So that's how Rwanda has made progress, and we are happy to have been right there as participants. Thank you. Thank you very much. Amazing.
Minister Kubayi-Ngubane, South Africa. There has been a couple of challenges in South Africa. You know, we know it's a kind of big economy, knowledge-based economy. How did you manage to balance the inequality you used to have between black South African and the society? Because that was a huge challenge you needed to face, you know, when you came to power. How did you build a more balanced society in terms of allowing the whole population to benefit from the right education, access to technology, to innovation in South Africa? No, thank you very much. I think from our side, though we still have inequality, I think it's one of the challenges that we're still dealing with. But for us, more importantly, how we've managed to move in terms of where we were previously post our democracy and to now. Firstly, I'd say it's leadership. If you look from President Mandela, the establishment of Department of Science and Technology, that's the first thing that was done. But equally, putting together strong institutions. We today have your CSIR, your National Research Foundation, because those help us to achieve our objectives in terms of science and technology. The other issue that we had to look at, to try and make sure that we have more and more people feeling comfortable, but also having access to the field that previously they did not have. It's around issues of funding, making sure through our institutions such as CSIR, NRF, and many others, allow young students who want to do their PhDs, who want to do their masters, to be able to receive funding that we are able to support them. But the collaboration between our government together with our universities is one of our strengths, because a lot of research today is done even at university level. So the work is carried by our universities. So that collaboration, the partnership, equally again, the partnership between private sector, the public and our institution is important, because we're doing that to assist, because you'll find gaps where you sometimes can have a private institution having the resources, you have academics who can do the research but do not have the money, and you have the government with the policy and the will to change things. So the partnership, bringing the three together, it helps us to be where we are today. I mean, part of what we have done to encourage the partnership was introduce tax incentive for private companies who are doing research and development. That has improved in terms of making sure that we do see what we want to see. Again, looking at our past, we had to recognize most of the women in our country were not within the field. So centers of excellence were established and mainly focused in trying to recruit women. We introduced even some of the issues that we shared yesterday with the team when we looked at the leadership women in science. And we said part of what we do, we host events in the August month, Women's Month, where we showcase. For example, we buy spaces, government, in newspapers, in media, to showcase women who are excelling in science as part of, one, closing the gap because of where we come from, the previous discrimination of women and not being allowed to be in the field. Two, to encourage those who are coming, the younger generation, to say there are opportunities in the science. Those who are looking up to women, to see that women are breaking the ground into science. And we also, as part of that, we do awards. So in the awards, we fund them, we give them awards, we give them money to be able to incorporate into their research work. So it's a whole lot of package that we have to do to be able to close the gap. Obviously, there's still more that we want to do, but most of even the partnership that we've done, we're doing very well in terms of international partnership. One of the things that we have done, we've looked at our advantage as South Africa to say, what is it that we have advantage on? We didn't go and look for everything in investment. We said, what are the areas that we specialize on or we have advantage on? That's why we could make partnership even around the issue of SKA, because we have advantage of the area in our Northern Cape. So even around fuel cells, that's what we're looking at. So it's most of how you position yourself, but it has to be a package that is complete. Leadership, policy, funding, and partnership. Wonderful. Leadership, policy, partnership. Minister Bohr, Germany, when you see a German product, we're like, wow, this must be a good product, you know.
And I think you make good products. Thank you very much for the opportunity to participate in this really interesting, impressive panel. I've prepared a long list of 20 points, but you gave me the task to mention only three of them. It's complicated. So I'll try to point out three aspects, and they are not so different to the remarks of you about the German, if it's German model, the German way to success for a knowledge-based society. Perhaps the first point to mention is we need to prioritize education and science, and we have to do this for a long period of time. This is not an issue of 1 or 2 or 3 years, it's an issue of decades, because good teachers need time to grow, such as a tree that needs time to grow. The same is true for education and science. So the priority on education, and to define what's more important than another important point in our policy agenda, needs a clear decision over a long period of time to create a solid basis for science. And that's also education, because we need a certain number of young people with a high quality of education. If we want to reach excellence, we need a solid quality basis of education system. Second point, I think it's very important to give trust to our scientists and our researchers, because perhaps they know better than us politicians what are the really important new questions and unknown fields, because perhaps they are a little bit more rapider than us. So I think it's very important to give trust and to give something like freedom to our scientists and our institutions. And that means that we have to give a solid and a reliable basic funding for our science institutions. They need to create their own long planning perspectives to organize themselves. And I think they need some kind of security to do risky research, to work on the really unknown, to do blue sky research. And the same is true for our higher education systems. I think we have to bring the young people in contact, in touch with risky thinking. And so there's needed a little bit of security to do this. So basic funding, I think, is very important. And the third point, it's a culture of collaboration, of cooperation between communities, the private sector, companies, businesses, and our science and research institutions. And this collaboration has to be agile and very needs hubs of collaboration and direct contacts to be vivid and agile. So I think for Germany it's perhaps a good condition that we are a decentralized country. There's not one metropolitan city, but we have a lot of small and medium-sized cities and a lot of a whole number of universities spread out over the whole country. So the hubs of innovation and collaboration can grow in different parts of the country. And I think their policy is needed to create some incentives for more intensive collaboration on precisely defined common and joint goals. Thank you very much. So we can keep buying German products? Yeah? Okay. Thierry, let me come to you. When you move EMS to Rwanda, I guess, of course, President Kagame was there to give you strong motivation to come over here. But from your perspective, what could be your expectations when you come to a country like Rwanda or Senegal to keep moving the scientific agenda, the IT revolution agenda? What would you expect? But on a more personal note, how did you manage to get these two leaders together in Dakar and again in Kigali?
You want to cause trouble here in this auditorium. Do you have the local passport or not yet? Very soon. Very soon. Yeah. So thank you very much, Didier. And let me begin by saying it's a right question because both were in Dakar and they're here and we know how busy they are. Je voudrais prendre le temps de remercier Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Merci infiniment pour votre présence ici. I told my team that we should not take the presence of our two leaders for granted. They didn't have to be here to show us that they support science. Both are Pan-African leaders leading two of the most progressive nations in Africa. And I'm not saying this to please them. Donc, dis merci au président Macky Sall. Je veux rappeler une petite histoire pour montrer comment ces deux leaders sont attachés à AIMS et puis au Next Science Forum. Fraîchement après être élu au Sénégal, le président Macky Sall, je ne sais pas comment, a demandé à visiter l'institut, notre centre d'excellence, le Centre panafricain des sciences mathématiques. J'étais au Canada et je reçois la note, je reçois un coup de fil. Ce jour, j'avais voulu faire le miracle et voler et descendre à Dakar, parce que c'était dans quelques heures. J'ai appelé Neil, le président du conseil d'administration, je lui ai dit, le nouveau président du Sénégal visite AIMS. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas voler, même si je prends un avion, je ne peux pas arriver à temps. Et donc, le président Macky Sall est allé. On a travaillé avec mon équipe sur le discours de celle qui devait nous représenter. Et j'ai mis une phrase dans le discours. Demande au président Macky Sall d'être le porteur de projet du Next Einstein Forum. Et puis, je dis, il ne faut pas oublier de lire cette phrase. Même si le protocole te dit, tu n'as que 2 secondes, lis cette seule phrase. Et puis, le président Macky Sall est allé. Et devant les médias, à Mbou, notre collègue lui dit, Monsieur le Président, nous avons le projet de Next Einstein Forum. Est-ce que tu accepterais d'être le porteur de projet? Le président Macky Sall a pris la parole et dit « Oui, je suis le porteur de projet. Et c'est là que la dynamique dont il a parlé tout à l'heure a commencé. Et donc, ça prouve combien il est attaché à la science, lui-même étant scientifique. Il était ici la semaine passée, comme l'a dit le président Kagame. Il revient cette semaine, c'est quand même lourd. Il a atterri ce matin, il est assis ici. Et donc, merci, Monsieur le Président. And then, a few months before the first gathering, global gathering, then we pay a courtesy call to His Excellency, President Paul Kagame. So after we talked about AIMS moving its headquarters here, we talked about the research, Quantum Leap Africa, we talked about everything. The delegation was led by my chair, Professor Neil Turok. And then we added that, Mr. President, we have a forum in Dakar. And the president asked, what is the forum about? We said, about youth and science. I will be there. I will talk to my brother, Macky Sall. I will be there. You know, you put it in my diary. So I think it is not about me, but it's about their personal belief and vision for their nations that make them come here. President Kagame was here yesterday. He was here yesterday, and he comes back. For head of state, I think it's too much. So thank you very much. Then my expectations, I have many. I don't think you'd want to know my expectations. Not all of them. No. But just to say simply that what we want first, yesterday we had a long discussion. Some people in the audience said that our panel, what we didn't talk about is inspiration, that most of the great scientists became scientists because one day they got inspired. And I think today we are showing this in action to our young laureate that for both presidents to be here, it's a source of inspiration that they should continue to do the research they're doing. Both presidents talked about the policies they are putting in place, the regulatory framework to create conducive ecosystem for science to flourish. And they're working to position Africa bringing Africa to the cutting edge of science. There will be no shortcut. We are going to take the process it takes, make the investment that needs to be made. So we just hope that in the many years to come, because this is not
a project that we're going to accomplish in 3 or 5 years. So for the decades to come, even after our generations, that we continue to have the support of leaders like His Excellency President Paul Kagame and President Macky Sall. Thank you. Merci beaucoup. Merci Thierry. Monsieur le Président Sall, on sait que la science et l'innovation ont besoin de ressources et de financement. Absolument. Et vous l'avez indiqué, au Sénégal, l'État a investi déjà un certain montant dans l'innovation, la science, pour soutenir les infrastructures. Mais quand on voit les besoins qui sont considérables, par exemple, l'année dernière, ce qu'on appelle les capitaux risqueurs ont investi près de 200 milliards de dollars. Je crois qu'on était à 170, 180 milliards. Et nous sommes dans des proportions beaucoup plus faibles dans nos pays, alors que le besoin est important pour soutenir les jeunes innovateurs. Comment vous arrivez ou comptez-vous arriver à combler ce gap en termes de financement pour encourager les jeunes à innover, à prendre des risques, à échouer et probablement à réussir ensuite? Vous avez posé une problématique majeure sur le financement de la recherche pour des pays où tout est priorité. Évidemment, ce n'est pas une question simple. Le président Kagame a rappelé le cas du Rwanda, mais c'est un cas qui peut être généralisé sur le continent africain. Nous avons des priorités surtout sur l'agriculture, l'alimentation, la santé, l'éducation, la sécurité, qui est devenue un enjeu de taille avec le développement du terrorisme et du radicalisme qui est en train de déstabiliser un certain nombre d'États africains. Donc nous avons vraiment des priorités surtout. Toutefois, avec la perspective du partenariat public-privé, je le disais tantôt, il faut que l'État assure le minimum, c'est-à-dire les bases minimales, c'est la construction de l'environnement et l'attractivité, c'est aussi les réformes nécessaires qu'il faudrait faire. Et là-dessus, je voudrais faire un appel aux scientifiques, aux chercheurs, surtout au personnel enseignant, d'accepter ces réformes, puisque sans ces réformes, nous ne pourrons pas attirer les capitaux qui investissent dans la recherche et dans l'innovation. Donc il faut d'une part que l'État crée les conditions minimales, qu'il crée l'incitation et la vocation au niveau des jeunes, et que le monde de l'entreprise puisse avoir intérêt à interagir avec le monde de la recherche. Puisque la recherche crée les modèles et l'entreprise peut les exploiter à grandeur nature. Il y a donc un intérêt dans cette interaction et l'entreprise peut financer ou participer de façon assez consistante au financement de la recherche et de l'innovation. Donc il s'agira concrètement d'un partenariat public-privé et de ce point de vue, il y a également des fondations comme celle qui accompagne aujourd'hui le NEF. Il faut saluer aussi la philanthropie de certaines fondations qui peuvent accompagner l'action, n'est-ce pas, des centres de recherche, des universités. Mais il faut que les États africains eux-mêmes croient en la science. Puisqu'aujourd'hui, ce qui fait la différence d'ailleurs entre les nations, c'est la science, au fond. Quand vous prenez un pays comme le Japon, qui n'a aucune ressource naturelle, aucune, quasiment, et dont les deux tiers du territoire sont sur des collines, des montagnes. Mais par l'innovation, par la recherche, le Japon s'est imposé aujourd'hui par sa technologie, sa production, en tout genre. La Corée du Sud est en train d'arriver. Je ne parlerai pas de l'arme atomique, mais disons, l'atome a permis à certaines puissances aujourd'hui de dominer le monde. Donc tout ça, c'est la science, en fait, qui est à l'origine, ou en tout cas qui explique le positionnement des États. Donc l'Afrique ne peut pas, de ce point de vue, être absente sur, non seulement, je l'ai dit, le rattrapage, mais en matière de science, en matière d'innovation, en matière de numérique, je pense que nous pouvons être au même pied d'égalité. D'ailleurs, l'Inde a montré le chemin. Je pense qu'à Bangalore, et tout ce que les jeunes Indiens ont pu faire, tout ce qu'aujourd'hui les Chinois ont pu faire pour se mettre non seulement à niveau, mais même dépasser les anciennes puissances européennes en matière d'innovation,
doit servir à l'Afrique sur une durée d'une génération, de deux générations, avec une population très jeune et très smart, de pouvoir être la future frontière de l'innovation de par le monde. Et en ce moment, c'est tous ceux qui ont les ressources, tous ceux qui ont les ressources financières qui viendront puiser dans ce vivier où vous trouverez des milliers de PhD par an qui se forment à travers les universités et les instituts de recherche et qui auront intérêt donc à développer des partenariats public-privé. Je pense que donc il faut agir d'abord local avec l'action de l'État et aller vers ces partenariats. Merci beaucoup, Monsieur le Président. President Kagame, we've been seeing in Rwanda, you've been attracting talent, higher education research centers like EMS, investors, venture capital, companies like Zipline that I've mentioned. How do you, what kind of incentives do you put in place or are you intending to put in place to attract more of these institutions, investors, and skills? Because, of course, when you talk about science, skills are everywhere, and we need to attract also the best of them into the continent. So what kind of measures and incentives are you putting in place? We do two things. One is to invest ourselves. We, as a country, we invest in education and heavily. It's about 15% of our national budget. It goes to 15-17. Goes to education. In fact, the biggest part is taken by health and education, and then agriculture, infrastructure, and other things. So we invest, make sure that we have actually done some of the things we can do ourselves or together with other partners, and as some of them, President Macky Sall mentioned, foundations, countries, different, they have been very helpful in investing with us in education. Second, part of that education, we also look at and encourage and incentivize science, science, mathematics. We encourage our young people to go into that by availing what they can use as tools for their own development and learning from that, as well as other incentives in terms of what they have access to for their development. The second side of it is we have encouraged a kind of ecosystem where indeed, again, from the private public partnership, we also bring in the academic institutions. It's the academic institutions, the private sector, the government. We try to make sure that we bring together this collaboration that is required, where young people are, first of all, are invested in, then they also do what they feel they would like to do, and if they have ideas, then we can find ways those ideas can be facilitated to develop going forward. So it's education, it's academic institutions, it's the private sector bringing in their resources, it's also government partnering with the private sector to be able to do that. So it's a question of remaining focused and making sure that you put in these incentives back here at home, as well as making sure that this is attractive to the outsiders as well, to partner with the country or to invest in the country. And through, in fact, as I said maybe to some people earlier,
We have also, in a sense, I think, been lucky. We have found that as we started from scratch, invested in young people, they have gone across the world to study. We have many of them going to our friendly country, South Africa. We had others going to India, they went to Europe, they went to United States. A bigger number of them, in fact, around 80-85% of them come back when they have finished studying in different fields. Those are the ones we have here, both in the private and the public sectors of our nation. Young people, others in the private sector, very innovative, but of course still modest. We are not where we want to be yet, not even half of where we want to be, but the trajectory is a pleasant one, and we are moving forward. So we make sure that we have put a conducive environment on the investment side. You have seen probably that in the rankings of doing business, Rwanda ranks modestly high because of the conditions we have created here, so that people can bring in their money, they can repatriate their profits, but also encouraged making sure that what they do here has impact in the country. It's not just coming and doing business and taking everything, including the business, away after it has made you good profits, but rather making sure that the country benefits from that, but also the country benefits any investor who brings in their money. So we have found this collaboration very helpful, and also the secure environment, the predictability we have created has brought us some success. Thank you very much, President Kagame. Monsieur Macky Sall, President Macky Sall, juste pour les raisons d'organisation, je vois qu'il reste 2 minutes sur l'écran et 10 minutes à ma montre. De combien de temps disposons-nous encore? 10 minutes, 20 minutes, or 30 minutes? 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Maybe if the president asks for 20 minutes, no, they can accept. Your excellencies, 10, 20? You can change. How do you maneuver? The Monsieur le président Macky Sall, la question de la manière d'enseigner, extrêmement importante. On en a parlé hier. Le système éducatif avant, c'était le professeur enseigne à l'élève et l'élève n'a pas grand-chose à dire, en réalité, dans l'ancien système. Aujourd'hui, c'est un système plus participatif où les deux s'apprennent les uns des autres avec ce qu'on appelle les soft skills, capacité à innover, à communiquer, qui sont extrêmement importants dans le monde aujourd'hui. Justement, dans les réformes que vous avez engagées au Sénégal, comment assurez-vous que cette dimension est prise en compte, la manière dont on enseigne aujourd'hui à nos enfants et la manière dont on enseigne la science? Alors, vous savez, les présidents doivent répondre à toutes les questions, même à celles pour lesquelles ils n'ont aucune réponse. Enfin, mais je vais essayer quand même de dire un mot. Nous avons voulu changer de paradigme en matière d'enseignement, formation, puisque nous sommes héritiers d'un système de formation, il faut le dire, hérité de la France, qui avait plutôt une tendance à développer l'élitisme, enseignement théorique, élitiste, formé de hauts cadres, brillants certes, mais qui n'avaient pas de grandes capacités professionnelles. Et c'est ainsi que nos universités, au fil du temps, sont devenues des fabriques de docteurs, de toutes sortes de cadres issus des facultés, mais qui avaient un sérieux problème d'insertion.
parce que la formation, justement, n'était pas en adéquation avec ce que le marché de l'emploi pouvait offrir. Nous avons, dans un premier temps, essayé de professionnaliser les universités. Alors, ça n'a pas été simple, mais je crois que la réforme LMD donc, répond un peu à ce souci d'abord d'uniformiser nos diplômes par rapport au reste du monde, au lieu de rester dans le schéma classique où nous avions la licence, la maîtrise, le DEA, un doctorat troisième cycle, puis un doctorat d'État, et de revenir à une simplification à trois niveaux, licence, master et doctorat. Ça, c'est le premier niveau. Le second, c'était d'avoir aussi des écoles supérieures ou des instituts supérieurs au sein des universités. Moi-même, je suis un produit d'un institut de formation d'ingénieurs géologues au sein de l'université. Et c'est dire que c'est une disons, tendance qui a été entamée au Sénégal depuis au moins une trentaine d'années, voire plus, la professionnalisation, les écoles supérieures professionnelles. Et nous avons aussi pensé qu'il fallait commencer plus tôt cette orientation professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas sortir comme médecin, comme ingénieur, comme avocat. Il faut aussi former les techniciens. Et il faut former ceux qui doivent être, ceux qui doivent faire l'électricité pour fixer l'ampoule, maîtriser les réseaux, faire l'assainissement. Alors donc, on a à partir de ce moment défini dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, grâce d'ailleurs à une coopération avec l'Allemagne, je salue la ministre allemande, et avec la Suisse, on est en train de définir un nouveau paradigme en matière de formation professionnelle où nous mettons une formation duale où l'étudiant ou l'apprenant a une partie de son temps à l'école et une partie dans l'entreprise. Et grâce à la contribution forfaitaire à la charge de l'entreprise, donc le montant payé par les entrepreneurs ou les entreprises, sur chaque salaire qu'ils ont, ce montant, nous l'avons intégralement versé à la formation professionnelle. Ce qui fait que chaque année, depuis 2018, nous pourrons mettre au moins 40 millions de dollars rien que sur la formation professionnelle des jeunes apprentis, des jeunes entre le brevet et le baccalauréat, indépendamment de l'enseignement supérieur. L'environnement scientifique nouveau et informatique nouveau aussi fait qu'aujourd'hui, la pédagogie a été adaptée à l'environnement numérique. Donc, il est de bon ton que les cours qui se donnaient auparavant par des rétroprojecteurs pendant qu'on était des étudiants ou même au tableau, mais devant des amphithéâtres de 2000, 3000 personnes, on ne peut pas avoir l'écriture au tableau. Donc, il faut de nouveaux moyens de projection, il faut un nouveau système où l'enseignant doit lui-même s'adapter, sinon il sera dépassé par ses étudiants. Parce que les étudiants déjà très jeunes sont dans cet environnement. Donc il y a nécessité et pour l'État et pour les universités et pour les enseignants eux-mêmes que chacun se remette en cause et s'adapte à cet écosystème numérique qui permet aujourd'hui une vraie interaction en effet entre l'apprenant et celui qui lui donne, n'est-ce pas, le cours. Ça, c'est ce que je peux dire sous le risque de mon ministre de l'Enseignement supérieur, qui est un chercheur et qui pourrait bien peut-être donner de plus amples informations. Mais voilà un peu ce que je pourrais dire en guise de réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. President Kagame, last week in Kigali, you signed the African Continental Free Trade Agreement. Do you intend to do this sort of thing for science, for researchers in the continent, so you can encourage mobility of scientists in the continent, innovation? Is there any initiative on the continental level that you plan to launch this year as a head of the AU? Yeah, already at the AU Commission, there is a whole commission responsible for science and technology. And we intend to strengthen that, to support that, to make sure that it serves the continent by bringing together
the African countries around something they can do together to advance our development built on what science and technology can provide. Definitely, that's why I even said this moment, this conference is to that level like the event we had indeed from the Continental Free Trade Area last week. So it's important that we raise it to that level and beyond and make sure that it serves every other effort that we intend to carry out for ourselves on the continent, because education, science, mathematics, technology, these are very central in our daily lives if we want to make advancements that we have set out for ourselves going forward another 50 years. And I think President Macky Sall said it eloquently. There have been revolutions across the globe, and Africa has always lagged behind or left out. So we are saying this moment we should not miss out. And therefore, there is no doubt that Africa intends to do the best we can. And for this year, I'm here, I'll do my best to working with other leaders to make sure that we seize this moment. Thank you very much. Yes, Monsieur Macky Sall. Oui, juste un point. Je voulais, sur la mobilité des enseignants et des chercheurs au Sénégal, en plus de ce que le président Kagame vient de dire par rapport à l'Union africaine, il y a un effort que les pays peuvent faire. Et nous avons fait ce pas au Sénégal en changeant la loi qui faisait obligation pour l'enseignant du supérieur d'être de nationalité sénégalaise. Nous avons enlevé cette disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseignant, qu'il vienne d'Afrique ou d'ailleurs, mais principalement, c'est ouvert à tous les Africains et les postes sont ouverts. Ce n'est plus des postes réservés uniquement aux nationaux. Je pense que cela pour faciliter la mobilité entre chercheurs et enseignants africains, mais au-delà de l'Afrique, il faut être ouvert au monde, puisque finalement, il y a pas la science n'a pas de frontières. On ne doit pas simplement réserver les postes d'enseignement et de recherche aux seuls nationaux. Je crois que dans l'esprit de la zone de libre-échange, voilà une application dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que nous arrivons au terme de notre discussion, si je ne me trompe. Oui. Avant de faire les closing remarks, j'ai une question. Comme M. le Président Macky Sall disait, le Président répond à toutes les questions, même s'il ne sait pas quelles sont ses questions. À tous les deux, si vous aviez été, allez, on va dire le Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook, Monsieur Macky Sall, si vous aviez été Mark Zuckerberg aujourd'hui, vous aviez 20 ans, qu'est-ce que vous auriez aimé créer comme application? Ça laisse le ton au président Kagame de réfléchir. Une fois de plus, ça tombe sur vous. Quelle est l'application que vous auriez aimé inventer? Ça m'aurait plu. J'aurais certainement essayé de créer une application qui nous permettrait de voler, comme l'a dit notre ami depuis le Canada, au-delà des avions, d'avoir individuellement la capacité d'une mobilité sans limite dans l'espace et dans le temps. Vous noterez que le président a déposé le brevet dès aujourd'hui. Celui qui invente ça, ça lui appartient. Monsieur le Président Kagame, tu as been your invention. Yeah. Let me simplify your question for the sake of finding an answer. First of all, it happens that I'm where I am, and it made me think that maybe indeed I shouldn't be a Zuckerberg.
but I should be one who can enable others to become Zuckerberg. I love that. So we have the new Paul Kagame. Thank you so much. Ah, let's move to the closing remarks. Nous allons clôturer cette session qui a été extrêmement riche, extrêmement intéressante. Je vais donner la parole au président Macky Sall pour son mot de clôture avant de donner la parole au président Kagame, si vous voulez bien. Je vous remercie. C'est un mot très simple, un mot d'encouragement. Après avoir félicité les initiateurs du Next Einstein Forum, c'est une innovation majeure pour le continent. Je pense qu'il y a eu des pionniers qui ont cru. Ensuite, il y a eu EMS qui a été créé, d'abord en Afrique du Sud, au Sénégal, aujourd'hui au Rwanda. Mon souhait, c'est de voir ces instituts EMS SME partout sur le continent et que ce forum devienne l'un des forums les plus importants du continent. Non pas tous les deux ans, mais que ça devienne un forum annuel, parce que tellement il y aura de l'intérêt et de l'adhésion, mais également que les chercheurs africains soient accompagnés, on l'a vu, par les États, par les fondations, par le secteur privé. Et ça, c'est ce que je souhaite à l'Afrique, d'être déjà aujourd'hui un acteur de premier plan dans la révolution numérique que nous vivons présentement. En tout cas, je félicite tout le monde et je remercie encore une fois mon frère et ami, le président Paul Kagame, pour son leadership. Le Rwanda n'est pas un pays très grand par la taille. Il est devenu l'un des pays les plus importants du continent. Et ça, c'est dû à son leadership. Je tenais à le souligner, parce que le leadership peut beaucoup transformer et beaucoup apporter. Donc, je crois que le modèle rwandais aujourd'hui, ce que nous voyons, cette transformation, ces innovations, sont un peu l'indication que les uns et les autres devront voir, parce que l'Afrique, je reste convaincu qu'après avoir été le berceau de l'humanité, sera la prochaine destination du développement, en tout cas du développement économique du monde. Et il faut que nous participions plus dans le concert des nations, mais dans un esprit d'ouverture. Ça ne sert à rien de dire « oui, nous sommes seuls » et de s'enfermer. C'est une illusion. L'Afrique doit être ouverte au reste du monde, mais l'Afrique doit prendre sa part dans le concert des nations. C'est pour paraphraser un de mes devanciers, le président Léopold Sédar Senghor. Il parlait déjà du banquet de l'universel, donc du banquet du donner et du recevoir. Il faut échanger, il faut apporter sa contribution. Il faut également tirer profit de l'expérience d'autres pays qui ont, comme l'Allemagne, comme l'Europe de façon générale, les États-Unis, une expérience avant nous, profiter de cela sans complexe. Mais l'Afrique a un apport décisif à donner également à l'universel. Voilà un peu le message d'espoir que je voulais donner à ce forum. Merci beaucoup, Monsieur le Président. President Kagame, your closing remarks. Yes. Well, I start by thanking President Macky Sall. I think your presence here, Macky Sall, is important to me personally. It is important to these scientists and other important people here in the room. So thank you very much. Again, I want to thank Professor Turok and Dr. Zamahun, and I should not forget to bring in our own Professor Romain Morenzi. I don't know whether he's in the crowd here. And I particularly mention him also because he's the one who brought me into this.
And many years ago, he comes to me and says, you know, you should do this. And I said, no, but that's complicated business. It's not it's not really mine. And he says, no. So he encouraged me. He brought me in. And that's how I became associated with the AIMS and other efforts to promote science and technology. So I just wanted to thank the three leaders in their own fields and in this education and science and mathematics and other things. So I wanted to say that. And so we will continue doing our best. We invest our time and energy and politics into this to make sure that there is always a place for science. Well, even if we didn't do it, it has a place anyway. Science has a place whether we support it or not. We only would be losing if we did not, we are the ones to lose if we don't support that for the benefit of our people. And I just wanted to thank everybody here who took their time to come and attend this conference. I thank you very much. And different partners. So all the best to the efforts that are put into it. Thank you very much, President Kagame. So that's the end. You want more? We can't. No, thank you so much for this amazing conversation, Thierry Zoumaro. Thank you, Minister Teresa Bauer. Thank you, Minister Kubai Ngubane. Thank you. And Your Excellencies, thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for a great panel discussion, and we are going to proceed to the next Einstein Fellow Awards. Thank you, Your Excellencies. We are going to proceed to the next Einstein Fellow Award ceremony. Kindly take your seats. Veuillez rejoindre vos sièges. Thank you, Your Excellencies, for a great panel discussion, and particularly you, Your Excellencies, for your invaluable insights and continuous commitment of putting science at the forefront of Africa's development agenda. As a young scientist myself, and speaking on behalf of our generation, we are privileged to be given this platform to network, learn, and share.
We thank you, Your Excellencies, for that commitment. We are challenged by your call and are committed to drive the African scientific renaissance. Count on us. Let's now proceed to the awarding ceremony. The NEF Fellows Award Ceremony honors and recognizes 20 of Africa's best young scientists and technologists, of which 40% are women. The ceremony will proceed as follows. His Excellency Macky Sall will award 8 fellows, and His Excellency Paul Kagame will award 9 fellows. I would like now to invite His Excellency Macky Sall, the President of the Republic of Senegal, to award the 8 NEF fellows. Monsieur le Président, j'aimerais vous inviter pour donner les awards aux fellows. À vous l'honneur, Monsieur le Président. The first awardee, Dr. Vinet Kotsi, South Africa. Vinet is a senior lecturer at the University of Pretoria in the Department of Genetics, researching non-invasive measures of health. Prof. Abdoulaye Banire Diallo, Guinea. Abdoulaye is the professor of computer science and bioinformatics at University of Quebec at Montreal. He is director of the Bioinformatics Laboratory. He is also co-founder and chief scientist of My Intelligent Machines, a startup integrating genomic, bioinformatics, and artificial intelligence. Dr. Abdigani Diriye, Somalia. Abdigani is a research scientist and manager with IBM Research Africa, where his team is developing new approaches to securely mine, model, and score individuals who are applying for loans. Dr. Kevin Zobo, Zimbabwe. Kevin Zobo is a senior research scientist with ICGEB and a lecturer at the University of Cape Town in the Department of Integrative Biomedical Sciences. His research focuses on stem cells in disease treatment and management. Prof. Jonathan Essole, Democratic Republic of Congo. Jonathan is a mathematician and assistant professor in the Department of Mathematics at Northeastern University. Yebabel Fantaye, Ethiopia. Ems Arete, Junior Chair, working in cosmology. Prof. Aminata Garba, Niger. Assistant Professor, Carnegie Mellon University, Africa, and Director of the Kigali Collaborative Research Center. Thank you. Prof. Remy Kefi, Tunisia. Associate Professor and Team Leader in the Laboratory of Biomedical Genomics and Ontogenetics at Institut Pasteur in Tunis. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. I have the honor to invite His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, to award the next group of NEF Fellows. Dr. Aku Kwame, Ghana. Aku is an independent researcher in the field of health systems governance. Thank you.
Dr. Justice Massa, Uganda, Group Leader for Electrocatalysis and Energy Conversion at the Center for Electrochemical Sciences, Ruhr University, Bochum in Germany. Thank you. Dr. Yvonne Mburu, Kenya. Yvonne is the founder and chief executive officer of Med in Africa, working in immunology and oncology. Thank you. Our very own Dr. Yves Mugabo from Rwanda, research scientist at Montreal Diabetes Research Center, Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, working on diabetes and cardiometabolic disorders. Thank you. Prof. Sanushka Naido, South Africa, Associate Professor at the University of Pretoria with research dedicated to plant defense in the forest species with an emphasis on eucalyptus. Thank you. Professor Maha Nasr. Maha is an Associate Professor of Pharmaceutics and Industrial Pharmacy in the Faculty of Pharmacy at Ain Shams University, working on nanotechnology. She also leads a large team of researchers. Thank you. Professor Peter Ngene. Peter is Assistant Professor, DB Institute of Nanomaterials Science, Utrecht University, the Netherlands. He developed a novel eye-readable hydrogen sensor suitable for medical diagnosis. Thank you. Dr. Tolulope Olukboji, Postdoctoral Research Associate, Department of Geology, University of Maryland, where he built sophisticated computer models and designed novel remote surface imaging techniques. Last but certainly not least, Prof. Hamidou Tembin, Global Network Assistant Professor with New York University. Hamidou's research investigates game theory. Thank you. Thank you, Your Excellency. Congratulations to the NEF Fellows for your outstanding work. They definitely deserve another round of applause collectively. We are now going to have a group photo of the awarded NEF Fellows and our president. Please come forward for the group photo. Your Excellencies, kindly join the group photo. Thank you. Thank you, Your Excellencies. And one more round of applause for our NEF Fellows. Thank you. Thank you, the NEF Fellows. You can exit the stage. This concludes our morning session.
And we once again thank you, Your Excellencies, for gracing this event. We will have another group photo with NEF ambassadors outside the plenary, and protocol will guide us. Ceci conclut notre session de ce matin, et nous vous remercions, Votre Excellence, d'avoir participé. Nous aurons une autre photo avec les ambassadeurs du NEF, dehors, et le protocole va nous guider. Join me in thanking Our Excellencies, the President of the Republic of Senegal and the President of the Republic of Rwanda, as they exit the building. And thank you to our panelists, and congratulations again to our NEF fellows.